citoyen civil, s'il est face à un accident de circulation, d'abord il doit assurer sa protection lui-même et la protection des autres. Donc si la victime qui est dans l'engin, dans un état d'inconscience par exemple, et l'engin commence à prendre feu, il doit d'abord le dégager d'urgence, dans un endroit sûr. Aussi, il doit baliser. Il doit baliser la zone de danger. Un accident de circulation peut révéler d'autres risques secondaires. Parfois, le liquide inflammable, le carburant, peut, les flexibles qui conduisent le carburant peuvent être coupés. Et on va avoir du produit inflammable. Et vu la chaleur du moteur, il se peut qu'un incendie se déclenche. Aussi, si on reste en train de... Si on permet au bateau de tourner autour de l'incident, on peut avoir un suraccident. Donc il doit protéger pour éviter le suraccident. Après, il doit s'enquérir rapidement de l'état de la victime, savoir son état, savoir le nombre des victimes, pour lorsqu'il appelle le numéro du 15, celui de la protection civile, il pourra donner le nombre des victimes, leur état et les actions de secours qu'il a pu entreprendre, et ainsi donner l'adresse exacte. Il ne devra raccrocher que si on lui donne l'ordre de raccrocher. Pour le problème que la protection civile rencontre lors des accidents de circulation, c'est le problème d'actionnement de la chaîne de secours. Souvent, il y a plusieurs personnes qui sont témoins de l'accident, mais on ne pense pas à faire l'alerte. On ne peut pas sortir de nos casernes si on n'est pas alerté. Donc d'abord, c'est le retard d'alerte qui met en retard les moyens de secours. Aussi, lorsqu'on est averti et on sort avec nos engins pour secourir les personnes, il y a le problème qu'on trouve lors de la circulation, c'est que certains conducteurs ne donnent pas la priorité aux engins de secours. Donc ça aussi retarde un petit peu le secours pour AV, surtout dans les grandes villes telles que Casablanca, Marrakech, etc. Pour le nombre des interventions de la protection civile, si on prend comme exemple l'année 2017, nous avons enregistré plus de 78 000 interventions, relatives au secours à personne en cas d'accident de circulation. Ce qui nous a donné une moyenne d'une intervention de toutes les 7 minutes pour l'année 2017. Ça, il a reconnu plus de 78 000 interventions dues à un accident de circulation. La grosse part a été dédiée à la région de Kazakhstan qui a eu plus de 27% de son nombre. Ces chiffres, ils peuvent diminuer si le citoyen respecte encore plus le code de la route, aussi s'il conduit en respectant les limites de vitesse, parce que plus la vitesse augmente, moins il a un temps de réaction ou de réflexe pour pouvoir éviter l'accident.